Moi je dis que quand on joue avec les allumettes, tout le temps on se brûle. Pourquoi tu dis ça? Faut être suicidaire pour masser les pieds de la gonzesse que vient d'épouser Marcellus. Oh, enfin bon, tu trouves pas qu'il a exagéré? Il s'attendait peut-être pas à ce que Marcellus réagisse comme ça, mais... s'attendait bien une réaction. Il lui a massé les pieds. Masser les pieds, c'est que dalle. Ma mère, je masse les pieds. Non, t'es à côté de la question. Faut bien dire qu'il a tripoté la femme de Marcellus, quand même. Alors, est-ce que c'est aussi grave que s'il avait, je sais pas, léché la motte? Non, d'accord. Enfin quoi, c'est du même ordre. Oh là là, je t'arrête tout de suite, mon pote. Hein. Masser les pieds d'une fille et lui bouffer la chatte, ça fait deux. Et qui t'a dit le contraire? Je te dis que c'est du même ordre. Tu trouves que c'est du même ordre, toi? Écoute, je sais pas si ta technique de massage diffère de la mienne. Mais je t'assure que toucher les pieds d'une fille et lui glisser la langue dans le sanctuaire des sanctuaires, c'est vraiment pas du même ordre. Il faut être borné pour soutenir le contraire. Putain, mais c'est vrai. Masser des pieds, c'est rien du tout. T'en fais souvent, toi, des massages? Allez, attends. Tu me demandes à moi si tu es un vrai putain de spécialiste? Ah, c'est beau, ça. Attends, j'ai une technique très étudiée, tu sais pas de chatouille ni rien. Et tu pourrais faire ça avec les pieds d'un homme? Va chier, putain. Quoi? T'aimes pas masser les hommes? Va chier, je te dis. J'ai les pieds fatigués, un petit massage, ça serait pas de refus. Et arrête. Tu me fais pas rire, là. Tu commences à me gonfler, putain. Bon, on y est. Ouais, ici. T'as quelle heure? Quatrième top, il sera à 7h22. Bon, viens, on est un poil en avance. Écoute, c'est pas parce que je masse pas les pieds des mecs que Marcellus avait le droit de balancer Antoine du troisième étage à travers cette putain de verrière qui lui a coupé la chic. Putain, mais on n'a pas le droit de faire ça. Le mec qui me fait ça, moi, je t'explique pour lui qu'il vaut mieux que je reste paralysé. Sans quoi je le bute, mon enfoiré. Qui t'a dit qu'il avait le droit? Toi, tu me dis que masser les pieds, c'est pas une affaire. Moi, je te dis que tu déconnes. Moi qui peux dire que j'ai massé les pieds à des millions de gonzesses. Je t'assure qu'à chaque fois, c'est important. On fait comme si de rien n'était, mais ça compte. C'est ce qui fait que c'est excitant, les massages. Il y a un truc sensuel là-dedans. On le dit pas, on n'en parle pas, mais on le sait. Mais elle le sait. Forcément, Marcellus le savait. Putain, mais c'est la femme de Marcellus, merde, on peut pas s'attendre à ce qu'il prenne ça avec humour. T'es pas d'accord? Ouais, c'est un point de vue intéressant. Bon, allez, viens, ça va être à nous.